Bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode 42 de notre Let's Play sur Pokémon Écarlate. Dans l'épisode précédent, on avait fait les cours. On avait fait les cours de langue et d'histoire, il me semble. Aujourd'hui, on va continuer les cours parce qu'on va essayer de terminer ça en un ou deux épisodes. Juste avant ça, elle m'intrigue, elle. Qu'est-ce qu'elle veut? On m'a dit qu'il suffit de regarder le moniteur pour s'orienter à l'école. Ok. Je l'avais jamais vu avant, ça m'a intrigué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme cours? Allez, on va faire le cours de combat Pokémon. Vous pouvez suivre le cours de combat de Madame Elige, c'est bien ça? Oui. Allez, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Elige, dans mes souvenirs, c'est la fille avec le survêt noir qui était avec la championne type C dans la ville tout au sud. Ah ok, c'est dehors. Yo, je suis Madame Elige. Je suis là pour vous enseigner le combat. Et je préfère vous prévenir tout de suite. Je suis impétueuse. Quoi d'autre? J'ai 25 ans. J'adore la muscu. Et mes Pokémon préférés ont des gros muscles et sont type combat. Voilà, vous savez tout. Bref, comme je vous le disais, c'est moi qui vais vous enseigner l'art des combats Pokémon. Nous allons commencer par tout ce qu'il y a de plus basique. Je veux que ce cours soit à la portée de tout le monde. Alors soyez tranquille, vous êtes entre de bonnes mains. L'essentiel est de se laisser submerger par la combativité. Les Pokémon peuvent apprendre de nombreuses capacités offensives, et elles ont toutes leurs particularités. Leur puissance, leur type, ainsi que leur catégorie varient. Plus les capacités sont puissantes, plus elles infligent de dégâts. Et elles en infligent d'autant plus si leur type correspond au point faible de votre adversaire. Passons maintenant aux catégories. Celles-ci sont au nombre de deux. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous les connaît? Le nouveau. Est-ce que tu saurais me dire quelle catégorie de capacité existe? Les capacités. Capacités gentilles et méchantes. Celles qui font un peu mal et celles qui font beaucoup mal. C'est exact, j'étais sûr que tu répondrais correctement. Bien, reprenons. Il existe donc des capacités physiques et des spéciales. Plus l'attaque d'un Pokémon est élevée, plus ses capacités physiques infligeront de dégâts. Et plus l'attaque spéciale d'un Pokémon est élevée, plus ses capacités spéciales infligeront de dégâts. A l'inverse, des Pokémon touchés par des capacités subissent respectivement moins de dégâts si leurs défenses et défenses spéciales sont élevées. Bon, ça c'est vraiment les bases de Pokémon, hein. On apprend ça quand on joue et qu'on pratique. Allez, on résume. Si votre Pokémon utilise des capacités physiques, augmentez son attaque. S'il préfère les capacités spéciales, boostez son attaque spéciale. Et pour exceller en combat, il faut se concentrer sur l'une des deux catégories. Ce qui s'applique aux Pokémon vaut aussi pour les êtres humains. Il faut savoir reconnaître ses points forts et les exploiter. Ah zut, je voulais passer à la pratique après cette partie théorique, mais nous allons devoir nous arrêter ici pour aujourd'hui. Mon cours se déroulera toujours dans la cour, même lorsque les séances seront plus théoriques. Rien de tel que d'apprendre au grand air, pas vrai? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous d'ici là. Allez, on a déjà fait un cours. De toute façon, il y aura un épisode parce que ce sera que un cours. Et l'autre épisode, on va essayer de faire deux cours en même temps. Mais on verra si ça passe vite, ça. Sinon, bah, on fera l'autre épisode, quitte à être un peu plus long. Yo, rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se mettre en jambe, n'est-ce pas? Alors, ça vous plaît de faire une chasse au trésor pour votre projet extrascolaire? Vous allez sûrement devoir courir dans tous les sens pour vous rendre aux arènes. Profitez-en pour vivre de folles aventures avec vos Pokémon. Au fait, vous allez voir des sortes de cristaux pendant vos balades hors de l'école. Vous savez, ces pierres précieuses qui brillent énormément. Ce sont en fait des amoncellements d'énergie à cristal qui émettent des profondeurs. Et si vous les examinez de plus près, vous pourrez affronter des Pokémon Terra Cristal avec trois autres personnes. On appelle ça des Red Terra Cristal. Mais je préfère vous prévenir. Les Pokémon Terra Cristal, c'est pas de la rigolade. Leur comportement est parfois différent de celui des autres Pokémon, alors restez sur vos gardes. Au cours des raids, les dresseurs et dresseuses
peuvent effectuer des actions particulières, les encouragements. Il en existe trois types. À l'attaque, c'est le premier d'entre eux. Cela permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de tous les alliés. Après, on a posture défensive qui sert à augmenter la défense et la défense spéciale. Et enfin, il y a... Tiens, voyons si vous pouvez deviner. C'est pas esquive ou un truc comme ça? Ah non. Il y a donc un troisième type d'encouragement qui permet de restaurer les PV de tous les alliés. Soins d'urgence? Bonne réponse. Tu pourrais presque faire les cours à ma place, le nouveau. Enfin bref, le troisième type d'encouragement n'est autre que soins d'urgence. Il permet de restaurer les PV et de soigner les altérations de statut. Rien que ça. Vous pouvez avoir recours aux encouragements trois fois au cours d'un même état cristal. Notez bien qu'encourager vos alliés mettra fin à votre tour. Il faut donc choisir entre encourager et utiliser une capacité à chaque tour. C'est pas mal de jouer en soutien en raid. Ah ouais? Ok, bah je retiendrai si on fait des gros raids style en Finobi ou dans des raids 7 étoiles comme ça. Une dernière chose avant de conclure. Si aucune technique ne semble marcher en combat, tentez d'encourager vos alliés. Cela permet parfois d'ouvrir le champ des possibles. Ah zut, décidément, j'ai oublié de passer à la mise en pratique. Mais nous allons devoir nous arrêter ici. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous d'ici là. Allez, troisième cours. Allez, combat Pokémon 3. Par contre, est-ce qu'il y a des examens avec Elige? Ou sinon, c'est peut-être des combats, les examens. Ça pourrait être cool. Yo, rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se mettre en jambe, n'est-ce pas? Vous avez peut-être eu l'occasion d'essayer des Reta Crystal dont je vous ai parlé la dernière fois. Ah, j'ai mon Dracolos à côté de moi, c'est trop marrant. Pour rappel, les Pokémon Terra Crystal sont des adversaires qu'il ne vaut mieux pas sous-estimer, car les plus redoutables d'entre eux ont recours à une technique très puissante. Et j'ai nommé le bouclier Terra Crystal. C'est quoi un bouclier Terra Crystal, me demanderiez-vous? Eh bien, c'est une barrière qui diminue beaucoup les dégâts que l'on peut infliger aux adversaires. Donc, s'ils arrivent à la dresser, vous risquez simplement de perdre sans avoir rien pu faire. Maintenant, une petite question pour vous. Que devez-vous faire si le Pokémon adverse dresse un bouclier Terra Crystal? J'attaque avec la Terra Crystallisation. Ça serait plus logique. Mais ça, je ne savais pas par contre. Tout à fait, je ne vois que les raids non plus secrets pour vous. Il se trouve que les attaques ordinaires n'ont que peu d'effet sur un bouclier Terra Crystal, mais vous pouvez prendre l'avantage grâce à la Terra Crystallisation, car en utilisant des capacités du type Terra Crystal de votre Pokémon, vous infligerez beaucoup plus de dégâts. Infligez des dégâts de cette manière plusieurs fois d'affilée pour briser le bouclier et lui faire perdre l'équilibre. En d'autres termes, il est essentiel d'utiliser la Terra Crystallisation au moment opportun lors des combats de Raid Terra Crystal. Allez, on résume. Il faut combattre la Terra Crystallisation par la Terra Crystallisation. Donc synchronisez-vous avec vos alliés pour briser le bouclier Terra Crystal de vos adversaires. Zut, décidément, je vais passer à la pratique après cette partie théorique. Mais nous allons devoir nous arrêter ici pour aujourd'hui. On est déjà à la moitié du programme, alors la prochaine fois, c'est contrôle partiel. Révisez bien et visez le 20 sur 20. Bon, ça va, elle est assez simple, elle. Hein. Ça va super vite, ces cours. Allez, le contrôle partiel. On y va. Je tiens à m'excuser auprès des élèves qui pensaient que l'examen avait lieu dans la cour. Il est plus pratique de faire passer une épreuve écrite dans une salle de classe. Vous seriez mieux installé pour répondre aux questions. Bien, vos feuilles de réponse n'attendent que vous. Il est temps de passer à l'offensive. Je vous souhaite tous bonne chance. Alors, complétez cette phrase. Plus la défense spéciale est élevée, moins les capacités spéciales infligent de dégâts. Quel paramètre n'a aucune influence sur les dégâts infligés par une capacité? Le nom. Combien de personnes combattent dans un raid Terra Crystal? 4. Et quelle méthode permet de briser un bouclier Terra Crystal? Terra Crystalliser et attaquer. Et quel est le type de préféré de Madame Elige? Le type combat. Le contrôle est terminé, posez vos stylos.
Vous avez tout donné, à ce que je vois. Je suis sûr que vous aurez 20 sur 20. Vos résultats vous attendront à la réception. Allez, alors, on a les 5 à tous les coups. 5 sur 5, parfait. Encore, je vais peut-être avoir ton diplôme. Oh, bon, normalement, ça doit bien se passer. Allez, les bonbons S. Ça fait plaisir. Ça me servira pour le Pokédex. Pour faire des évolutions. Et on passe au cours numéro 4. Ah, il fait nuit. Yo, rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se mettre en jour, n'est-ce pas? Vous avez tout donné lors du contrôle partiel, je suis fier de vous. Continuez comme ça pendant le second round. Je parle de la seconde partie du programme. Est-ce que vous avez toutes et tous eu l'occasion de tester la formule R en avant? Cette phase est très pratique. Vous pouvez l'utiliser pour que votre Pokémon aille ramasser des objets éloignés. En présence d'un Pokémon sauvage, cette attaque déclenchera un combat. On parlera alors de combat auto. Lors de ce combat, les Pokémon se battent de façon autonome, sans que vous ayez besoin de leur dire quoi faire. Et en cas de victoire, ils remporteront des points d'expérience comme lors de combats ordinaires. C'est donc une méthode très efficace pour entraîner ces Pokémon. Cependant, les Pokémon qui montent de niveau lors d'un combat auto ne pourront ni apprendre de nouvelles capacités ni évoluer. Ensuite, si un Pokémon perd un combat auto, il ne lui restera qu'un petit nombre de PV, alors pensez bien à le soigner tout de suite. Je me rends compte que j'ai parlé d'une traite. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Eh bien, vous m'impressionnez. Je suis sûr que vous irez loin. Parce que les questions, elles sont inutiles en fait. C'est des questions que je connais déjà la réponse et c'est non. Donc, c'est inutile à poser. N'oubliez pas, pour un Pokémon, un combat auto est exactement comme un combat normal. Il se battra et fera de son mieux pour vous. Surveillez-le, et s'il est en difficulté, retirez-le du combat avant qu'il ne perde. Il va de soi que les Pokémon qui ont peu de PV ne sont pas en grande forme. Et ils n'apprécieront sans doute pas d'être envoyés en combat auto, alors pensez à les ménager. Et une dernière chose avant de conclure. L'utilisation du mode combat auto repose avant tout sur la relation de confiance entre un Pokémon et son dresseur ou sa dresseuse. Donc faites en sorte de vous montrer digne du dévouement de vos Pokémon. Ah zut, décidément je voulais passer à la mise en pratique. Mais nous allons devoir nous arrêter ici. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous d'ici là. Allez, on continue. Combat numéro 5. Avec un peu de chance, je peux enchaîner sur les beaux armes. Yo, rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se mettre en jambe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de déclencher un combat auto depuis la dernière fois? Je vous rappelle que c'est un excellent moyen d'entraîner ses Pokémon. Cela permet aussi de faire le plein d'échantillons pour confectionner des CT. D'ailleurs, est-ce que vous savez utiliser la machine à CT? C'est ce qu'on va voir. Pour confectionner des CT, vous aurez besoin des échantillons laissés par les Pokémon et de quelque chose d'autre. Mais de quoi s'agit-il? Des points de ligue. On dirait que la confection CT n'a plus aucun secret pour toi le nouveau. Pour confectionner des CT, vous aurez donc besoin de points de ligue, aussi appelés PL. Sachez que vous pourrez vous en procurer en les échangeant contre des échantillons à la machine à CT. Ah, ça je le savais pas. D'ailleurs, j'ai entendu dire que certains individus se procuraient des PL de manière frauduleuse, grâce au piratage informatique il me semble. Je compte sur vous pour ne pas en avoir recours à ces pratiques répréhensibles. Bref. En enregistrant les CT que vous voulez fabriquer dans votre pense-bête, vous pouvez consulter les échantillons nécessaires à leur confection à tout moment. Allez, on résume. Pour confectionner des CT, vous aurez avant tout besoin d'échantillons. Et pour récolter les échantillons, rien de tel que des combats Pokémon. Ouais, franchement, ces cours sont très très rapides. On a speedrun et lige. Et le dernier cours. Comme ça après on fera l'examen et peut-être qu'on fera les beaux-arts. Yo, j'espère que vous êtes en forme pour le dernier cours.
En tout cas, je peux vous dire que vous avez déjà bâti des connaissances solides en combat. Je n'aurai bientôt plus rien à vous apprendre. Mais je compte sur vous pour viser toujours plus haut. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les règles des combats en réseau. Alors ça, on s'en fout un peu en vrai, c'est un peu un gros F. Quand deux personnes participent à des combats en réseau, elles ont le choix entre des combats solo et duo. Et lorsque 4 personnes participent, elles peuvent prendre part à des combats multi. Ces combats se distinguent de ceux auxquels vous êtes habitués. Dans le cadre de votre projet extrascolaire, vous êtes en mesure de choisir le niveau et le nombre de Pokémon que vous affronterez. Mais vous n'aurez pas une telle liberté lors des combats en réseau, car ceux-ci obéissent à des règles précises. La première est l'ajustement des niveaux. Dans le cadre du combat sans restriction, tous les Pokémon conservent leur niveau actuel. Vous pouvez aussi avoir plusieurs fois le même Pokémon dans votre équipe et utiliser les mêmes objets de nuit. Ensuite, dans le cadre des règles souples, tous les Pokémon combattent au niveau 50, quel que soit leur véritable niveau. Cela signifie que les Pokémon de niveau inférieur verront leur puissance augmenter. Ces règles vous permettront aussi d'avoir plusieurs fois le même Pokémon dans votre équipe et d'utiliser les mêmes objets de nuit. L'avantage des règles souples, c'est que le niveau des Pokémon n'a pas d'importance. Il suffit de leur apprendre les bonnes capacités. Enfin, dans le cadre des règles strictes, tous les Pokémon ayant un niveau supérieur à 50 sont ramenés au 50. Les règles sont celles qui font le plus appel à votre sens de la stratégie. Elles vous interdisent d'avoir plusieurs fois le même Pokémon ou plusieurs exemplaires de même objet tenu. Bien, je vais maintenant vous interroger. Si vous tenez à combattre avec un Pokémon de niveau inférieur, quelles règles devez-vous choisir? Les souples ou les strictes? Les souples. Ah mais j'ai mal compris, je suis con. Si la stratégie que vous avez choisie vous amène à utiliser un Pokémon niveau 5, il vaut mieux partir sur des règles strictes. Moi j'avais mal compris, je pensais que c'était un mode si tu veux combattre, peu importe ton niveau, même si t'as un niveau genre inférieur, mais sans qu'il soit ramené. Faut que je me motive à finir les cours aussi. Ah bah oui. Parce qu'en plus je crois que t'as des bonus non négligeables, donc autant les faire. Ces règles sont idéales pour combattre avec vos proches. Allez, on résume. Avec les règles souples, tous les Pokémon se battent au niveau 50. Avec les règles strictes, les Pokémon gardent leur niveau s'ils sont en dessous du 50. J'espère que tout cela vous permettra de prendre part à des combats épiques avec vos proches. Allez, on va passer à l'examen maintenant. Allez, le contrôle final. Yo, j'espère que vos ménages sont prêtes, parce qu'on va les faire travailler. Bien, vos feuilles de réponse n'attendent que vous. Il est temps de passer à l'offensive. Je vous souhaite bonne chance. Alors, quel encouragement permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de tous les alliés lors des attaques cristales? À l'attaque! Comment appelle-t-on le combat enclenché par la formule bouton R en avant? Les combats auto. Choisissez une méthode adaptée pour se procurer des PL. Pirater le système, hein, Pania, n'est-ce pas? Échanger des échantillons. Complétez cette phrase. Lorsque des combats en réseau sont soumis aux règles strictes, les Pokémon de niveau élevé sont tous ramenés au niveau 50. Vrai ou faux? Lors des combats en réseau, avec des règles souples, on peut avoir plusieurs fois le même Pokémon et les mêmes objets tenus. Oui. Parfait. Vous avez tout donné, à ce que je vois. Je suis sûr que vous aurez 20 sur 20. Sachez que je suis très fier de vous. Si vous réussissez ce contrôle, vous serez officiellement des pros du combat Pokémon. Par contre, on n'a pas fait de cours sur la table des types. Alors que ça aurait pu servir. C'est quand même la base du combat Pokémon, hein. Mais bon. Allez. 5 sur 5, encore une fois. Et on va enchaîner tout de suite avec les Beaux-Arts. Vous souhaitez suivre un cours de Beaux-Arts avec Monsieur Assa, c'est bien ça? Je sais pas ce qu'on apprend en Beaux-Arts, mais j'imagine que c'est très rapide. En vrai, je suis curieux de les affronter dans les tournois. Quand on aura le tournoi de l'Académie. Oh, la salle est jolie par contre.
c'est mignon les petits dessins derrière. Bonjour à tous, je me nomme Asa et je serai votre enseignant dans ce cours des beaux-arts. Mais avant toute chose, êtes-vous capable de définir ce qui est beau? Pouvez-vous me décrire ce qu'est l'art? J'imagine qu'une fois diplômé de l'académie, la plupart d'entre vous ne sauront toujours pas répondre à ces questions. Après tout, la suite de votre parcours est étudiantin, où vos futures recherches d'emploi ne requerront pas de connaissances ou de sensibilité artistique. Le métamorphe, il est fatigué, ouais, j'avoue. Nous pourrions ainsi en conclure que mon cours est tout à fait inutile, n'est-ce pas? Penser cela serait une erreur, tout du moins. Je veux continuer de le croire. Je vous invite à vous poser la question suivante. D'où vient la différence entre le beau et le laid? C'est une question de goût? Oui, je vois. Merci d'avoir partagé votre avis, Willy. Par contre, ça me fume qu'il y a Menzi et le sosie de Fuka derrière. On dirait qu'ils ont genre 17 à 25 ans. Et à côté, il y a des mecs, ils ont 6 ans et demi. Ça me fait un peu rire. C'est assez perturbant. Entendu? Bien entendu, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. L'important n'est pas tant de trouver une réponse, mais plutôt de réfléchir à la question. Prenons un exemple. Disons que vous vous promenez le long d'un chemin bordé de fleurs. Pourquoi donc avez-vous la sensation que ces fleurs sont belles? Savourez la différence entre le bleu du ciel et celui de la mer, s'interroger sur la parure des arbres au fil des saisons, se laisser bercer par le mouvement du moulin de Quencia, ou charmé par les eaux glacées de Jaramenka. Si vous prenez le temps d'observer ainsi ce qui se présente à vous, je suis persuadé que vous serez touché du plus profondément et durablement par tous les détails de votre vie. Ainsi, lorsque vous êtes harassé par vos révisions ou par votre travail, peut-être que c'est la beauté de ce monde qui vous donnera la force d'avancer. Ne vous tracassez pas si ces concepts vous semblent compliqués pour l'instant. Vous aurez tout le loisir d'en faire l'expérience, pas vous-même, mais laissez-moi résumer. Finalement, nous pouvons considérer l'art comme tout ce que l'on trouve beau. Il ne nous est pas indispensable, mais il est capable d'illuminer nos existences. Ainsi, si mon cours permet de mettre un peu de couleur dans vos vies, je serai très heureux. Il veut mettre des paillettes dans nos vies. Il s'appelle Kevin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Lors de notre prochain cours, j'essaierai de vous confronter concrètement à ce qui est beau. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse, monsieur Asa. Allez, on enchaîne sur le cours 2. Lui, il y a moyen que son cours, je le coupe en deux épisodes. Et au prochain épisode, on fait le cours... Enfin, on finit les beaux-arts et après, on enchaîne sur les trucs domestiques. Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Lors du dernier cours, nous avons tenté de définir l'art, un sujet qui n'a peut-être pas semblé passionnant pour tout le monde. Pour ce cours, j'ai donc essayé de trouver un moyen d'éveiller votre intérêt pour ma matière. J'ai ainsi décidé de faire intervenir un invité de marque. Un Grignote. Je vous présente Monsieur Grignote, il sera mon assistant pendant le cours. Cher Monsieur Grignote, procédez à votre terracristallisation, je vous prie. Oh. Ça fait bizarre d'en voir un comme ça dans la nature, mais gratos comme ça dans un bâtiment. D'habitude, on voit plus les terracristallisations en plein combat, donc c'est assez perturbant. Voyez-vous, les Pokémon peuvent exécuter ce que l'on nomme une terracristallisation à condition d'utiliser un autre terracristal. Normalement, Monsieur Grignote est de type dragon. Pourtant, grâce à la force terracristal, il est désormais d'un autre type. Voyez-vous, ce magnifique motif floral qui chatoie au-dessus de sa tête, à votre avis, à quel type renvoie-t-il? Au type plante? Bravo Willy, 20 sur 20 et félicitations du professeur. Je pense que tout le monde l'a compris. Cette belle décoration florale qui couronne le front de Grignote indique donc le type plante. En fonction du type terracristal adopté, la forme du joyeux terracristal passé sur sa tête changera. Faites bien attention. Si votre adversaire utilise la terracristallisation pendant un combat, il vous sera essentiel de parvenir à identifier son type terracristal grâce à son joyau. Si vous y parvenez, vous pourrez contre-attaquer en choisissant une capacité adaptée. J'aspire à vous voir remporter de superbes victoires grâce à ce cours. Décidément, la terracristallisation est un sujet passionnant et profond. C'est tout un art.
Voilà qui vient de clore notre cours d'aujourd'hui. Merci à Monsieur Gricknot pour sa collaboration. Allez, on fait le cours des beaux-arts numéro 3. Bien le bonjour, j'espère que vous portez pour le mieux. Et j'ai entendu dire que mon cours sur la terre-cristallisation vous avait plu. Merci. Madame Elige m'a d'ailleurs demandé de vous en apprendre plus au sujet des combats. Ainsi, j'ai décidé de continuer à vous apprendre l'art délicat de la terre-cristallisation. Je serai une fois de plus assisté par ce cher Monsieur Gricknot. Monsieur Gricknot, je vous prie de procéder à la terra-cristallisation. Ah, il a changé de type. Eh bien, au cours précédent, nous avons assisté à une terra-cristallisation de terre de type plante. Aujourd'hui, l'ornement est différent. Voyez-vous la beauté de la perfection de ce flocon de neige? Ses ramifications complexes sont admirables. On ressent d'ailleurs une certaine fraîcheur quand on s'en approche. Alors d'après vous, de quel type s'agit-il? Bah le type glace. Splendide Woody, c'est tout à fait ça. Le magnifique cristal brillant au-dessus de la tête de Monsieur Gricknot désigne le type glace. Ainsi, puisque Monsieur Gricknot est désormais de type glace, les capacités de ce type ne seront pas très efficaces contre lui, alors qu'en temps normal, leur puissance aurait été quadruplée. Et non seulement c'est fascinant, mais également une grande utilité en combat. Eh, je suis trop fort, j'arrive à avoir qu'un flocon c'est type glace. Je suis très perspicace. Par ailleurs, je souhaiterais développer le sujet des flocons de neige avec vous. Saviez-vous par exemple que malgré le grand nombre de variétés de flocons, ils épousent presque toutes la forme d'un hexagone? Ces hasards presque trop parfaits sont fascinants. Et ainsi tombent des flocons de neige dans le ciel d'hiver dansant au gré du vent. Indifférenciables à l'œil nu, et pourtant chacun est parfaitement singulier. Ne ressentez-vous pas la présence des secrets que renferme la nature qui nous entoure? N'êtes-vous pas intrigué par ce grand mystère? Au risque d'être hors sujet, les lunettes de Monsieur Jack sont aussi d'une forme et d'hexagone. Où ai-je la tête? J'ai oublié de vous dire qu'il est possible de changer le type Terra Cristal d'un Pokémon au trésor culinaire à Mesclamora. Néanmoins, la chef de cet établissement n'a pas un tempérament facile, disons-nous. Il vous faudra gagner des bonnes grâces. Le contrôle est une formalité. Ah bah, a priori, je pense que oui. Il est mignon, Gricknot. Allez, le contrôle partiel, et après on se laisse là pour cet épisode. Et on fera la deuxième partie des cours de Monsieur Asa avec l'épisode 43 et le cours sur les trucs domestiques qui vont nous apprendre a priori les pique-niques et toutes leurs subtilités. Et ça peut être intéressant parce que je m'en sers quasiment pas et ben, je me suis pas trop penché là-dessus. Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez prêts, le contrôle partiel va commencer, concentrez-vous bien. Prenez vos stylos et allez-y. Alors, comment appelle-t-on la gemme brillante qui couronne la tête d'un Pokémon terra cristallisé? Le joyau? Si la réponse à la question 1 a une forme florale, de quel type sera le Pokémon? Type plante? Combien de branches ont la plupart des flocons de neige? Hexagonale, donc 6. Pour changer le type terra cristal d'un Pokémon dans le restaurant, de quelle ville faut-il aller? Mesclamora. Et qu'est-ce qui différencie le beau du lait? Les goûts de chacun. Même s'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est terminé, posez vos stylos, je vous prie. Lorsqu'il est question d'art, parler de réussite ou d'échec me semble peu approprié. Malheureusement, un contrôle est un contrôle. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les résultats vous seront communiqués à la réception. 5 sur 5 le contrôle, je pense aussi. C'est pas très compliqué. Voilà, 5 sur 5. Monsieur Asa m'a demandé de donner ceci à tous les élèves ayant validé la matière. Les bonbons S. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour cet épisode.
On continuera les cours de Monsieur Assa dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon Écarlate. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.